Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes tous très impatients de découvrir quelles sont ces deux nouvelles armes exotiques qui vont nous être livrées par le biais de deux quêtes exotiques, et ceci à partir du 13 décembre prochain, date d'arrivée sur Destiny de l'événement L'Avènement, qui sera lié directement au DLC Seigneur de Fer. Donc ces deux armes, sans plus tarder, ne sont ni plus ni moins que des déclinaisons solaires et abyssales de la sulfateuse Maître du Tonnerre. Il s'agit donc pour leur petit nom en anglais, de l'Abaddon et de la Nova Mortis. Alors regardons d'un petit peu plus près les perks de ces deux armes, puisque si quasi tout semble similaire, il y a quand même deux perks qui font exception. Alors bien évidemment, je pose un petit bémol pour ces deux exceptions, à savoir que ce sont les armes avec lesquelles nous avons joué à l'occasion du PlayStation Experience. Peut-être que ces armes peuvent être lootées avec d'autres perks, nous n'en savons pas plus actuellement. Concernant la première perque différente, il s'agit de Feeling Frenzy, comprendre frénésie alimentaire. Cette perque va vous permettre de recharger plus rapidement un court instant lorsque vous faites un frag. Et la seconde perque, Negative Rounds, à comprendre match nul. Cette arme tire beaucoup plus vite et avec plus de précision tant que vous ne relâchez pas la gâchette. Voilà, c'est tout pour toutes les informations que nous avons actuellement au sujet de ces deux armes exotiques. Donc je vous le rappelle, elles seront disponibles à travers deux quêtes exotiques, et ceci à partir du 13 décembre. N'hésitez pas à liker, partager cette petite vidéo, et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !